Non mais c'est toi qui conduis, mais sors de là. Y'a personne qui conduit. Comment ça y'a personne qui conduit? Bah maintenant y'a quelqu'un qui conduit. S'il est... Qui conduit? Anaïs? Tu vas vite voir. Gauche. Droite. Stop. Non, va à la mission d'abord, Utilise des indications un petit peu plus faciles, la pauvre. Le point d'exclamation. Mince, on peut pas rentrer. C'est pas grave. Bon, en forçant bien. Non mais c'est pas moi qui passe en dessous. Là c'est plus qu'un SMS hein. Ah, je suis content. Non, alors c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce qu'on passe? Oui. Voilà. Attends, on va même essayer de prendre l'escalier. Ah. Mercredi de suite. Les ennemis. Mais rouge sur rouge. Goliath. Ah mais ils sont là-bas au fond en fait. Ah pour bien faire il faudrait un sniper. Tiens si tu aimes voler vole. Quoi? Oh non mais vite pendant que je les bloque. Ah les deux jauges. Merci. Pour Alice. Faut plus viser la tête. Ah là là c'est dur. Et quelqu'un m'aide hein, parce que là je vous remonte pas tout seul. Pas fait pour remonter tout seul. Mais arrêtez de me piquer mes frags. Oh, attends moi. Encore un niveau et je vais pouvoir utiliser mon super bouclier. Oh. Encore un niveau et je fais rien de plus que maintenant. Ah, reste en bas, t'es bien. Oh, bien. Ah merde. Hop, oh, cours Alice. J'ai compris, le lance-roquette c'est pour le corps à corps. Tu vois, je t'ai vite dit que Maillet joue bien au lance-roquette. Oh bah quand même, y'a un round 4. Merde, j'ai pas acheté de grenade. Bon, tant pis. Bah... Je voulais pas si près, Merci. Cours, cours. T'es en train de nous fabriquer des filtres à café. What là avec ton arme. Alors, tu les tues pas? Oh, on se calme. Hélico ! Voilà, plus d'hélico. Ah. Aïe, 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 j'ai mal au pied. Nope. Ah, arrête de bouger. Allez, vite. J'allais dire quelqu'un. Bon assassin. Joli saut, par contre. Non. Derrière, en haut ou en bas? En haut. Suicidaire. En haut. En haut, puis en bas. Ouh, fun. Attention, ça explose. Ah, ouh. Tu vois, j'arrive pas à... Ok. Ah, c'est quand même nettement mieux. Ouais, ouais, ça c'est clair. Clairement. Pourquoi t'as déployé ta tourelle? Pourquoi pas? Je l'ai, c'est un réflexe. Pour pouvoir, du coup, au plus haut, je pouvais l'envoyer. C'est parti! Non, faux départ. T'as le droit de rappeler sur le bout. Très bien ce pouvoir qui les attire! Merde, j'ai pris le buff! T'inquiète, Anaïs, c'est presque ton tour.
Qu'est-ce qu'il a dit? Promis, dans 5-6 niveaux, quand je tirerai dessus, ça te fera du bien. Grenade! Oh oui, oh oui, oh oui! Bam, 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 bam! Voilà, ça c'est de la rentabilité. Et Ico? Ah, ça l'a pris. Voilà, ça a attaqué la personne. Bon, j'ai réussi à en avoir un avant qu'il débarque, puis le deuxième. Ah non! Allez, Ico! Non, 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 non! Où est-ce que t'es? Tout en haut, sous les têtes cadavres. À gauche! Florian à gauche, Florian à gauche, gauche! Je suis pas à la gauche! Derrière toi! Comment ça, Diego? Ah, je l'ai! Oui, je suis dans le rouge! Suicidaire! Ah non! Oh. J'avais presque sauté! Attends, je vais l'avoir celui-là. Ouf. C'est bon, j'ai eu second souffle. C'est bon, tiens, tiens. Ah, y'en a une qui a vu la mort de près. Ico. Ico. Oh non. Alors. Non, pas maintenant. Ah, celui-là, je vais le faire là. Non mais t'es trop lente. Tu l'emmènes? T'es en train de l'entraîner? Bah ouais. Je veux dire, on est à court de balles, alors allez. Autant qu'ils se tapent entre eux. Et bah voilà, ouais. C'était pas si compliqué. Alors je me sens trahi. À chaque fois on fait manipuler, non? Comment? Il m'a utilisé pour forcer les chasseurs de l'arche à faire le sale boulot. Donc la madame qui s'est pris un pic dans le bide, c'est de ta faute. Par contre, je maintiens quand même hein, que Lilith, elle est quand même ultra cheatée. Moi, je savais pas faire ça dans l'épisode d'avant. C'est moi où elle est en train de dire, globalement, je vous ai manipulé, et là, officiellement, je vais vous remanipuler. C'est quoi la différence? Ah bon. Ah oui, mais donc quand ça... Elle a mis 2 heures à se téléporter. Non, t'as raison, Lilith, elle peut hyperphaser des villes entières, mais à part ça, elle fait pas le poids, on est meilleur. Tu vas faire croire ça à qui, toi? Ah, mais attends, Sturney, c'est ta kryptonite, ça, quand tu rentres dedans, à chaque fois, tu tombes. C'est déjà fait. Oh, y'a un gros! Ah, y'a un truc qui clignote là-bas. Ça ressemble à un piège. Allons-y. Allons-y. Et en plus, il y a une grande arène. C'est pas comme s'il y a un ennemi qui pouvait apparaître n'importe où. Bon, c'est par où? Bah, faut suivre la route. Wow. Attention, poteau indestructible. Transmission de la commande en cours. Plus que quelques minutes à attendre. Et... L'ange, ça suffit. Arrête de faire semblant d'aider les méchants. Tu entends? Jack ne va pas tarder à se rendre compte que je ne suis plus dans son corps. Bombardement en cours. Pourquoi le sniper il est devant hein? Bah parce que c'est un sniper. Le sniper il a pas de balle. Ah ouais. Occupé. Ah absolument. Pas plus le gros. Deuxième gros. Ouais, ils n'ont pas encore le temps d'apparaître et de se déployer. Il a déjà perdu ses poils. Quelqu'un s'occupe de Seb? Très bien. Allez, c'est l'heure de ramasser les armes. Je ramasse quand même. Qu'est-ce qu'il y a un truc intéressant? Votre attention, Hyperion. La prochaine fois que vous avez une envie pressante de raser Sanctuary, pensez à un truc. Je peux hyperphaser cette ville n'importe où, juste en claquant des doigts. Maintenant, si vous tenez encore à gâcher quelques milliards de dollars avec vos frappes de mortier, faites-vous plaisir. Bien joué. C'est vrai, tout ce que tu as dit. C'est du bluff. Quoi? Tu plaisantes? C'est un miracle que je ne nous ai pas hyperphasés dans une montagne. Oh good, you're not dead. That's his way of saying, wow, you're a badass, I'm glad you're okay. Et on gagne un quatrième emplacement d'armes.
Ah, bah ça, ça c'est sympa. Bah génial, je savais déjà pas quoi mettre dans le croisière. Bordel, on t'avait dit de plus jamais nous contacter. Je vous en prie, écoutez-moi. Oui, écoutons donc cette intelligence artificielle débile qui a essayé de tous nous tuer. Eh, hey, tu te souviens quand elle nous parlait des trésors de l'Arche? C'est moi qui l'ai. Je suis en train de charger la clé de l'Arche. Elle est protégée par 3 systèmes de défense impénétrables. Impénétrables. Le premier est un champ d'énergie dissuasif. Et comme il est impénétrable, on y va. Toute entité non affiliée à Hyperion qui le traverse. Champ d'énergie dissuasive? Genre un mur de la mort? C'est un champ d'énergie thermosonique pur, conçu pour désintégrer tout personnel non autorisé. Ouais, faut pas oublier son badge. De la mort, quoi. Puis vient le second système de défense. Un bunker équipé de l'armement le plus sophistiqué qu'Hyperion possède. J'ai un mauvais pressentiment. Après le bunker, vous devrez franchir le troisième système. Une porte qui ne s'ouvre que pour le beau Jack. J'ai un très mauvais pressentiment. Bah, il suffit de pas passer par la porte. Ça sera votre seule chance de voler la clé de l'Arche et d'empêcher Jack de contrôler le guerrier. Le temps presse, décidez-vous. Je vous demande de me promettre une seule chose. Quoi qu'il arrive, Lilith ne devra pas pénétrer dans ma salle. C'est quoi encore ce coup tordu? Si elle nous tendait un piège, elle nous aurait laissé plus d'espoir de réussir. Si c'est pour détruire cette saleté, j'en suis. Piège ou pas. Troisième, la réserve de Hyperion. Je crois savoir comment robot capable de réduire le les gens en bouillie en appuyant sur un bouton et le docteur Tronche de Fion me classe à la 3e place du concours scientifique planétaire. Ici, au moins, on apprécie mes talents. Ok. So, c'est toi qui viens de dire ça? And slice the rest of my arm off with my particle saw. C'est quoi cette histoire de concours robotique? And the blood's going everywhere. But a few hours and a few pints of blood later, I built a metal arm strong enough to smash concrete. Good times. Ah, mais c'est un lance-vomi, en fait.